yani kusaka kusala batrace amesala yo bubuya ke sala yo diaka beke dila ko voter bon voter nge sala ki salu na ngege sala samote population ko mona ke nge mesa di sabo aye nda kene nge libella libella pa ke bimboka eloka malonga kana mbokote yena bana ne bamona ki mboko ko mi abako ba kende libella atanzizi atana bana na kata mboko kati yete ki mboko zila li suna ba nda kende nge ba dogoyi 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 na biso kende esili alongwa na yena malembe akoya to yambi bango bien okoma na suka le to komi bo bilolo to komi nga jaja kona nini hizo na madela ba koko bango tamba yaka tuto ya baka bango tambe le kamupe egoye la biso po ngaba defendre biso te ale bango ba sundoli biso wana nde posa na bango nde ezo si la biso nde kawana o eza le tournement en faisant ici le tournement nous sommes pas les personnes de tournement comme ça elle fait ma paix geste et la patronne en fait les enlèvements c'est très bande ko balandi mote na bino o esengoza na biso lisusu makasi ya koyeba ete bozali etuluku liboso bitano na bino pona kolanda emission na bino masolo ya province ya Kwilu makasi mingi et comment masolo ya bandundu na monene nango pe ya république démocratique du Congo pamate singeli tokota kota penza bisika nyonso oyo mboka na biso zaiko tumisama lokola lelo ngai na bino tokobeta masolo oyo etali proposition ya loi oyo mwana mboka obemi na ku proposaki elongo na ndeko na ye mwana mboka Garissa Kata o bango mibale bazali bongo bakelemi beko oyo bazali ko representer province ya Kwilu kuna o assemblée nationale bakelemi beko nyonso ya mboka na biso bavandi kasi nini zisalemi sima ya ko proposer mibeko wana nde ngonga ina bino tokobeta masolo mukolo mwalelo kasi nyonso wana tokosala ngona kotosa pe mibeko oyo bayimboka bakosenga tosala mpona komibatela na bokono ya coronavirus nakozala ngai moko te bandeko balandi kasi nakozala na bayi politiki mibale na bango nde tokobeta masolo wana yambo nakozala na mwana mboka Cyril Ekwe o azali communicateur ya Front Commun pour le Congo na province ya Kwilu kasi ye pe azali analyste politique ye tokozala na ye tokozala pe lisusu na mwana mboka Charles Maître Charles oyo mingi bino boyebi azali moko ya ba yi politique ya province ya Kwilu mingi sika azali na ngamu ya mwana mboka Gimi Nkulu tope na parti oyo tobengi Arc Original na bango nde tokobeta masolo oyo etali proposition de loi oyo mwana mboka obemi na kuna Garissa Katata wa ba salaki oyo ebendi mutu mutu est-ce que esengelaki na bango ezala bongo to ezala bongo te nini basengelaki kosala nde nakosola na bandeko mibale o na yambi lelo kasi tika na tondo botoni na ekipe oyo eza kosunga nga lelo mwana mboka pasi ya bungu azai nsima ya kamera mwana mboka Dan Kamanda o azai na bandi ya montage kuna nde na bango tokosala elongo. Voilà, bah imboka ndenge na bisaki bino sika na loboko nanga mobali na ko yamba mwana mboka Charles Olmote na mwana mboka Mbote ndeko est-ce que mozali makasa ko yamba lisusu pamba teza mbala na ya mbona emission oyo est-ce que mona oyo za nini ya ko yamba mayambo na emission oyo ndengo talaka ngose na ndako d'abord atondi yo matondo mingi pona ko yamba ngana kati emission na yo po ezamba la liboso ya komona degré pe ya materiel ozana yango na jeune alors azo ko entreprendre musala oyo bozai belete d'abord na commission na équipe no mobima na tondo butondo kasi tokozongela wana kenan ko yamba pe mwala mboka Cyrille Kwe mwala mboka Cyrille Kwe yo mesana deja na émission oyo kasi lelo oyé lisusu pote ko kosola masolango o etali politique ya mboka na biso mbote na yo mbote ndeko David Mayele merci na ndengo pe singa susu invitation na yo na sepeli makasi merci na mosolo zali ko sala ezali musala makasi mais obuzwi pe temps na yo ya kolala pongi te ya komona biso po ete tosolola makambo etali actualité ya mboka félicitations et courage émission na yo ekende liboso awa mikolo uti koleka tokaki mwana mboka Garissa Katata Wab na mwana mboka obemi na kubakotisaki proposition de loi oyo nanu bandimi yango te kasi epesi deja mbutu mbutu no d'abord lokola moyi politiko yambaki yango ndenge na matoyi na yo ba biloko mikana oyo bango balengelaki po ya koproposé ndenge tobenga yango na bayi lopoto proposition de loi. Merci ndeko journaliste je proposerai que na loba na français pour na limbolango malamu malamu donc n'est pas maté monsieur Zakaba y'a pas de problème oui oui ndeko journaliste. Laissez-moi vous dire qu'il s'agit d'une réforme de la justice.
Je reprends que c'est une question de la réforme de la justice proposée par l'honorable Miraku Minaku et l'honorable Gary Sakata. Tous des élus nationaux. Et professeur d'université de l'Erita. De la province du Kwilu et des grands Bandundu. Monsieur le journaliste. Et tous sont des professeurs. S'il vous plaît. Et ce sont des juristes. Les éminents juristes de la République. Les moyens de contester une loi votée au Parlement ou proposée par les députés, c'est de saisir la Cour constitutionnelle. C'est de saisir la Cour constitutionnelle. Un état de droit ne se manifeste pas sur la rue. Non, ne se manifeste pas sur la rue. Avec des actes de vandalisme, de barbarie. Non. On va y arriver, on va parler trop vite. Les trois propositions de loi proposées par le professeur Robin Minaku et le professeur Gary Sakata, dans aucune des trois propositions de loi, il n'est dit que le ministre de la Justice peut demander à chaque instant aux procureurs de mettre fin à leurs enquêtes prédictionnelles. Mensonge grossier et Zalokuta. Faux et archi faux. C'est-à-dire, le ministre de la Justice ne peut pas aller empêcher un magistrat de faire son travail. Non, il n'est pas dit comme ça dans cette proposition de loi. Non. Mais ça, c'est non. Attendez, nulle part, il est proposé que la nomination des procureurs ou des magistrats du ministère public passe par le Parlement. Non. La nomination de tous les magistrats de la République démocratique du Congo est de la compétence constitutionnelle du chef de l'État sur proposition du Conseil supérieur de la magistrature. Ça, nous devons retenir ça. Soyons sérieux. Et nulle part, ça c'est un mensonge. Nulle part qu'il est soutenu que le ministère de la Justice doit devenir président du Conseil supérieur de la magistrature. Ce qui serait une violation grave de la Constitution. C'est du mensonge par rapport à toutes ces interprétations. Non, moi je parle de l'interprétation de gens qui disent non à cela. Alors, quelles sont alors les principales innovations apportées par les trois propositions de loi? Voilà, c'est ce que nous attendons. C'est la préservation de toutes les compétences du Conseil supérieur de la magistrature. Seule une révision constitutionnelle peut changer les principes relatifs à l'organisation et au fonctionnement du Conseil supérieur de la magistrature. Je reprends. Quelles sont les innovations par rapport à ces trois propositions de loi? 1. La préservation de toutes les compétences. J'ai dit la préservation, le mot français. La préservation de toutes les compétences du Conseil supérieur de la magistrature. Parce que seule une révision constitutionnelle peut changer les principes relatifs à l'organisation et au fonctionnement du Conseil supérieur de la magistrature. Ce n'est pas la loi qui est proposée par l'honorable Robin Minaku. Il n'y en a pas. En fait, c'est une réforme de la justice. Okay. Deuxièmement, la concrétisation de l'interrelation entre les ministères de la justice et les magistrats du parquet, conformément à l'esprit de la Constitution et de la loi, par l'institution d'une conférence de procureurs. Il faut retenir que c'est un mécanisme permettant des échanges avec l'organe chargé de la définition et de la conduite de la politique pénale de la nation. Ça, c'est l'article 91 de la Constitution. Je pense que l'organe de loi du ministère public. Mais ils doivent aller se référer sur la loi. À lieu, là, ils se jetaient sur la rue. Non, monsieur Ndeko. Non. Et tertio, le renforcement du rôle de l'inspectorat général des services judiciaires et pénitentiaires pour appuyer la discipline et lutter contre la corruption et d'autres pratiques illégales au sein de la magistrature. Ce sont des préventions, monsieur le journaliste. Mais ce ne sont pas des abolitions, ce sont des préventions. Ne voyez-vous pas qu'il y a des procès d'intention dans Non, il n'y en a pas, je n'ai pas fini. Quartio. La possibilité pour le ministère de la Justice, qui est souvent saisi par le justiciable. Romuna, bon, je parle là, à Lingala. La population, pratiquement, Oyo, Mutumura Zanambongo,
aké ko botola enda ko mingi mingi mona batona bakendaka ko senga et pas mis sa justice à la justice. Comment est-ce que fait la justice? Pourquoi vous cachez derrière la population alors que vous avez d'autres intentions derrière? Non, il n'y a pas une intention derrière. Il n'y a pas une intention derrière. Il n'y a pas une intention derrière. Je dis que le professeur Aubin Minaku et l'honorable Gary Sakata, les deux professeurs d'université juristes, ont initié en les quoi trois procédures. Non, non, ils, non attendez. Voilà. Oui, je l'ai dit tertio ici, et que la population, de temps en temps, s'il est touché par une action de justice de manière injuste, il va, de prime abord, saisir le ministre de la justice. Et le ministre de la justice, parfois, n'a pas les dossiers. Parfois, ne maîtrise pas le donné. Dis-moi, il va faire quoi? Nous allons revenir. Vous. Non, non, attendez, nous monsieur. Je sais que vous allez revenir. Donc, les trois propositions de loi initiées par les deux professeurs d'université ne fait aucun débat. C'est une proposition de loi. Voilà. Mais écoutez, et puis ils sont dans leur pratiquement exercice parlementaire. C'est-à-dire, ils veulent initier une réforme de la justice, mais pas abolir la justice. Okay. Ça n'existe pas, monsieur le journaliste. Merci beaucoup. Certainement, vous avez un avis contraire à ce que Cyril Ekwe vient de dire, ou encore vous soutenez Cyril Ekwe par rapport à ces dires. Merci beaucoup, monsieur le journaliste David. Merci. Je crois que je n'ai pas à contredire mon co-débatteur. Je ne vois pas à quoi les contredire si nous sommes dans la légalité des choses. Ces trois projets de loi, Minaku Sakata, n'ont pas l'intention. D'abord, il faut partir de là. N'ont pas l'intention de remettre le parquet ou le magistrat sous la tutelle du ministère de la Justice. Loin de là, par rapport aux mauvaises langues ou à la mauvaise interprétation de l'autre côté de nos alliés. Je voulais citer l'UDPS. Et tous ceux-là qui revendiquent, tous ces wewistes-là qui brillent comme maintenant on vient de briller quelques types de Jean-Marie Kassamba et on a été d'attaquer, hier on a attaqué la résidence de Minaku, de l'honorable Minaku en fait. Mais pourquoi seulement on doit s'acharner à la personne de Minaku au moment où il y a des personnes? C'est aussi une question fondamentale qu'on doit se poser. Il y a des initiateurs de ces trois projets de loi, mais on s'acharne à un individu. Ne voyez-vous pas que peut-être parce que Minaku a été le speaker de cette chambre du Parlement et savez, aujourd'hui. Et vous savez quoi? Il n'avait pas fait ça quand il était vous savez quoi, pas, David, président de l'Assemblée. Laissez-moi acheminer avec mes idées. C'est aujourd'hui qu'il faut le faire. Laissez-moi. Et c'est à ce moment. Okay. C'est normal de s'acharner chez Minaku. Mais c'est aussi anormal. C'est pourquoi je l'ai toujours dit que hier, je vais d'abord rentrer faire une rétrospection. L'UDPS est au pouvoir aujourd'hui suite à cette loi fondamentale, la Constitution. Déjà en 2006, nous allons au référendum. L'UDPS boycotte les élections. Soit disant, ne votez pas oui pour cette constitution. L'UDPS a refusé même de voter pour la constitution au référendum et a refusé d'aller aux élections en 2006. Aujourd'hui, l'UDPS est au pouvoir suite à cette loi boycottée hier. C'est pourquoi je l'ai toujours dit que l'article 102 de cette loi fondamentale doit être revu. On ne peut pas d'emblée, on vous prend dans mon village là, Yobo. Au fin fond d'Idiofa là, au fin fond de Ankoro, on vous prend dans l'hélicoptère, finalement vous êtes posé sur les toits de l'Assemblée nationale, sans pour autant passer, respecter toute la filière normale pour devenir un député. Parce qu'on doit aussi mettre là que pour être élu député, il faut avoir été conseiller du ministre, secrétaire du cabinet, attaché de presse du ministre, du gouverneur, tout consort, mais pas qu'un pêcheur d'emblée, il est à l'Assemblée. La conséquence est là comme non, ceux qui sont là. Mais pourquoi vous attaquez plus à l'UDPS? Non, non, c'est parce que c'est l'UDPS qui est derrière, qui ne respecte pas même les principes de collaboration. Vous voyez? Alors que c'est la population qui est dans la rue. Le pays n'est pas en danger. Le pays n'est pas en danger, mais plutôt ces trois projets de loi, comme a dit Cyril, c'est juste renforcer la discipline au sein de la mais magistrature. Mais quand est-ce que le pays est en danger? Parce que vous alliez parler de... Voilà, c'est une bonne question que j'attendais. Le pays est en danger lorsque les magistrats, au cours d'une année, vous êtes magistrat, je suis magistrat,
au cours d'une année, vous devenez substitut du procureur, vous devenez avocat général, directement vous devenez procureur général de la République. Là, le pays est en danger. Le pays est en danger lorsque les magistrats collaborent avec un groupe d'individus, des autorités, du ministre, pour aller s'exproprier une résidence, une parcelle d'un pauvre peuple. Le pays est en danger lorsque les magistrats, qui dans ses prérogatives réelles, font une descente sur terrain et exigent les frais de descente auprès du paisible citoyen. Là, le peuple est en danger. On ne peut pas exiger. Le pays est en danger lorsque les magistrats, comme ici à Bandundu par exemple, un magistrat qui arrête un paisible citoyen à cause d'une dette, lorsque aussitôt où ce monsieur reconnaît que j'ai ta dette, même si ça fait une année, on ne peut pas habiller cette dette en habit de confiance. Là, le pays est en danger. Et par conséquent, il faut un stage d'observation vis-à-vis du ministère de la Justice qui doit faire les rapports au chef de l'État que tel magistrat s'est bien comporté, il mérite une promotion. Et nous, d'emblée comme ça, au bout d'une année, vous êtes nommé en février 2020 et au mois de septembre 2020, vous devenez procureur. Là, le pays est en danger. Là c'est vous qui l'avez dit, mais quand vous proposez des lois qui va n'est-ce pas, mettre le pays en danger, vous ne reconnaissez pas ça. Apparemment, c'est ça. Avec vous, je répète que ces trois projets de loi n'est pas un danger ou ne sont pas un danger par notre pays, pour notre pays en fait. Mais les dangers, c'est ce que je viens de vous expliquer là. Ce qui est habité, tozawa, yoza mukambiye mukambiye, yoza mo, mupasi sango, yoza komo na ndenge ba magistrat, mususu ba mipesa ba komo 800, ba mususu ba 900. Donc ce qui a kangiyo, automatiquement 900 000 fait quoi? Le siège du Parlement violé à deux reprises. D'ailleurs, c'est là où, comment c'est là où là, personnellement, en tant que juriste, c'est là où je me dis, où allons-nous? Est-ce que nous sommes dans un état d'urgence ou non? Est-ce que l'UDPS respecte le chef de l'État ou non? Est-ce que l'UDPS considère le chef de l'État comme leur camarade du parti ou les considère comme le chef de l'État? Le siège de l'Assemblée nationale est inviolable. Mm-hmm. Et en ce moment, le chef de l'État même a dit, on ne peut pas voir 20 personnes. Mm-hmm. Un regroupement de 20 personnes. Mais les militants de l'UDPS, mon frère, ils sont en train de violer même les lois, les paroles de l'autorité nationale, qui est le garant de l'autorité nationale. L'UDPS ne respecte pas les chefs de l'État. Ou l'UDPS, je l'ai toujours dit, n'a pas été fait pour gérer le pays. Et là, ça assume que moi, je m'assume. Mm-hmm. C'est parce qu'on ne peut pas aujourd'hui voir. On a vu avec l'ancien vice-président de l'Assemblée, qui s'est accroché à la fonction de la vice-présidence comme si c'était son mandat privé. Non. Or, le mandat lui a été donné par le chef de l'État, par son parti. Et la présidente de l'Assemblée va même voir l'autorité nationale. Non, le chef de l'État. Le chef de l'État donne son quitus à l'honorable Garcia. Mais d'emblée, c'est l'UDPS Kabound qui s'acharne vis-à-vis de l'autorité du chef de l'État. Voilà. Là, je me dis, là, c'est manquer du respect au chef de l'État. Et c'est pourquoi le chef de l'État doit au moins, il a déjà les projets de loi, il doit, en tant qu'un intellectuel, le grand de la nation, il doit aider la population, faire sortir la population dans l'esclavagisme de la magistrature. Voilà, mon nom est Cyril Ekwe. Jean-Marc Kabound a bengi à sali appel à Balabala, sali appel à la rue, comme on le dit, n'a pas eu le poteau. Pour nous réclamer, pour télémer la proposition de loi, il y a un monde de ministre. Il faut que l'on ait un bureau et l'assemblée et les alumni. Je souhaiterais faire un rétro par rapport à tout ce qui a été dit avant que je puisse répondre à cette question. Ok. Au demeurant, la démarche de deux élus professeurs de droit, tant simplement à conformer les trois lois devenues anachroniques à l'article 149, alinéa 2 de la Constitution de la République, telle que révisée en 2011. Il a la Constitution, il peut vite lire avec nous. Voilà. L'article 149, alinéa 2 de la Constitution. Je me dis, ce sont des professeurs d'université, des professeurs de droit,
ils ne le font pas par imaginaire, non, contredit, par sentiment. Contredit par s'il vous plaît, toutes ces trois propositions de loi, je dis, toutes ces trois propositions de loi de nos journalistes sont conformes à la lettre et à l'esprit de la constitution de la RDC, même en droit comparé en France. Par exemple, les parquets en France, là. En France, le parquet est subordonné. Non, s'il vous plaît. Le parquet est subordonné à l'exécutif qui définit et qui conduit la politique de la nation. Ça, c'est en France. Ce n'est pas étonnant au Congo. Dis-moi, c'est quoi? Est-ce que c'est. En fait, est-ce que c'est une innovation? Non. Donc, je rejette. Une innovation apparemment pour la RDC. Non, non, oui, oui. Évidemment, il faudrait que les gens qui visent, en fait, qui prennent sur cette innovation, viennent innover la RDC également. Je réponds à votre question. Okay. Il y a une confusion entre l'état des droits et l'exercice parlementaire d'un député. Une confusion. Ils ont monté au créneau pour dire non, est-ce que l'état des droits... Non, non, l'état des droits, c'est autre chose. Et l'état des droits, ce n'est pas aussi sortir sur la rue. C'est aussi ça, l'état des droits. En fait, ce n'est pas aussi sortir sur la rue. Ça aussi, ce n'est pas un état des droits. Non. Donc, il parle d'une chose et son contraire. L'état des droits... Et aussi, laisser un député faire son travail. Laisser les parlementaires exercer leurs fonctions conformément à la loi aussi. Ça aussi, c'est le respect d'un état des droits. Mais lorsque vous venez vous interférer à un parlement, dans l'enceinte de l'Assemblée nationale, ça aussi c'est un état des droits. Vous violez l'état des droits en question, prenez par le chef de l'État. De toi, monsieur le journaliste, l'UDPS doit cesser de se comporter en opposition. Je reprends, il doit cesser de se comporter à l'opposition. Le seul moyen de contester une loi votée ou proposée, c'est d'aller saisir la Cour constitutionnelle. Vous êtes allié cash. S'il vous plaît. Non, j'en arrive. Mais vous vous acharnez à votre allié direct. Ok, non, non. Ok, je veux arriver. Je veux arriver. Jean-Marc Abou. Je veux arriver. L'UDPS veut faire de ses inquiétudes une affaire nationale. S'il vous plaît. L'UDPS veut faire de ses inquiétudes une affaire nationale. Non, parce qu'ils étaient mécontents à gauche, à XY, ils doivent faire de ses inquiétudes une affaire nationale. Non, c'est une affaire interne. Ils doivent s'arranger de l'autre côté. Des quatre, monsieur le journaliste, il doit arrêter de parler de la majorité populaire. L'UDPS doit arrêter de parler de la majorité populaire. Non, il doit arrêter ça. Ça, c'est pratiquement c'est un vieil système, monsieur le journaliste. Nous sommes dans une coalition. Et cette coalition est un impératif pour les pays. La coalition que nous avons est un impératif pour la stabilité de ces pays. Voilà pourquoi nous devons avoir un regard critique auprès de tous ceux qui s'agitent. Leur poser la question, qu'est-ce qu'ils cherchent? Et au finish, ils ont quelle mission? Leur poser la question. Nous devons avoir un regard critique à ces gens-là. Nous sommes dans une coalition entre l'UDPS et le FCC. Je ne vois pas pourquoi on s'acharne. Alors, maintenant, nous, le FCC, nous sommes en train de voir maintenant un regard critique sur toutes ces agitations de contestations par-ci, des agitations par-là, auprès de nos militants de l'UDPS. Ils sont maintenant au pouvoir. Ils sont en contradiction avec la vision du chef de l'État. Or, c'est le parti présidentiel actuellement. C'est le président c'est le parti du chef de l'État. Ils doivent s'arrêter à réfléchir comme ils étaient des opposants. Nous ne sommes pas leurs adversaires politiques. Nous sommes dans une coalition. Nous sommes dans une mariage. Qu'est-ce qui ne marche pas? Il y a certaines choses qu'on doit régler ça d'une manière asymétrique et d'une manière disproportionnelle, monsieur le journaliste. Il y a certaines choses. Même si la tension brûle, il y a des choses au sein de la coalition qui doivent être réglées de manière asymétrique. D'ailleurs, en tout cas, cette démarche-là n'a rien à voir avec la coalition. C'est une démarche parlementaire. Initiée par les deux professeurs de droit, je répète, Gary Sakat et Obem Inako. Et aussi, en fait, c'est une question de la révision, plutôt pas de la révision, mais de la réforme de la justice. C'est aussi protéger cette population. Maître Charles l'a dit.
protéger aussi cette population, cette paisible population. Moi, je pense que vous avez suivi. Je veux terminer. Je veux terminer. Jean-Marc Kaboun qui dit. Non. Jean-Marc Kaboun qui dit oh, c'est une façon de protéger le ceux qui ont dirigé hier. Par rapport à leurs habits. Non, moi les, je. Non, moi je ne fais pas. Moi je ne fais pas. Quand ils étaient au pouvoir. Non, non, moi je ne fais pas un débat des individus. Je fais un débat d'esprit. Et un débat d'intellectualisme. Si l'autre là que tu me cites les noms là, et voilà, tu me cites les noms là, je me réserve. S'il est mécontent, il n'a qu'à aller se plaindre à l'interne. Il n'a qu'à aller se plaindre à l'interne. D'ailleurs. Lorsque tu me dis ça, nous sommes en train. Voilà pourquoi je l'ai dit tantôt, nous devons avoir un regard critique. Qu'est-ce qui se passe? Qui est en train de commanditer ça? Voilà. La personne du président honoré de l'Assemblée nationale, Obe Minako Djalanjoko. C'est une personne qu'on doit respecter dans ce pays. S'il vous plaît. Il mérite du respect parce qu'il a fait asseoir le Parlement. Et lors de sa conduite au niveau de l'Assemblée nationale, ils ont respecté la Constitution. Ils n'ont pas brigué des mandats comme les gens prétendaient à l'époque. Il a dit au président de la République honoraire, le camarade Joseph Kabila Kabenge, il dit, je suis président de l'Assemblée nationale, je suis les speakers de l'Assemblée, à travers monsieur le président, quand vous avez dit que vous avez respecté la Constitution, moi je pense que nous sommes des gens qui élaborent la Constitution de l'Assemblée nationale, ça serait une bonne chose de respecter la Constitution. Et ça c'est quelque chose à applaudir. Et en plus, ils ont fait ce qu'on appelle une passation du pouvoir pacifique. C'est grâce aussi à l'intelligence du président Obe Minaku. Aujourd'hui, ils ont en fait, les gâteaux. Aujourd'hui, ils ont le beefsteak en fait, dans la bouche. La résidence ils doivent, ils doivent, non, s'il vous plaît. La ils doivent du respect à ces messieurs-là. La résidence, voilà pourquoi. Voilà pourquoi nous condamnons. Non, ce ne sont pas les webistes. Il ne faut pas dire. Mais déjà, on l'a dit. C'est un groupuscule monté de toutes pièces. Ce sont des militants de l'UDPS. Il ne faut pas dire les webistes. Attendez, attendez, s'il vous plaît. Qu'est-ce que les webistes ont à faire avec les choses du Parlement? Lorsque eux-mêmes, certains députés qui initient. Qui écrit hein, en fait une lettre au ministre des Finances pour l'augmentation de leur salaire $2000. Les Wouwistes étaient où pour aller réclamer? Ils disent non, non, s'il vous plaît, nous ne voulons pas de ça. Ils étaient où? Voilà, merci. Non, non, attendez, attendez. Merci. Non, ce ne sont pas des Wouwistes, ce sont nos militants, nos frères et sœurs de l'UDPS qui se sont transformés, soi-disant, en langage journalistique que vous avez fabriqué. Vous incitez les gens à la haine tribale là. Pourquoi cet aspect d'incitation? On peut rectifier, de retirer les mots là, tribalisme. Il n'y a pas de tribalisme. C'est parce que c'est l'FCC qui est attaqué. Et comment celui qui est attaqué peut encore utiliser le tribalisme? Hier, ce sont les députés nationaux où on les a refusés d'accéder dans leur propre bureau. Hier, quand j'ai dit la fois passée, ce sont les députés, tous les députés, voilà. Toutes tendances confondues, voilà. Les ministres de l'Intérieur, d'après les informations, nous avons vu le général Kassongo dire à la télévision que les ministres et les ministres aussi a été interpellé au niveau de l'Assemblée nationale. Il y a déjà une interpellation là-bas où on l'attend pour qu'il vienne réexpliquer pourquoi il avait donné l'ordre à la police d'interdire l'accès aux députés. Et aujourd'hui, c'est la résidence de l'initiateur des trois lois qui est attaquée. Et maintenant là que nous parlons, nous avons des éléments qu'on veut nous envoyer. Jean-Marie Kassamba, qui n'est même pas député, même député ou agent de l'Assemblée nationale, un groupe d'individus avec des motos. On sait généralement, on sait à Kinshasa que lorsque on voit une vingtaine de personnes avec les motos, sont les militants de l'UDPS. Nous sommes pendant l'état d'urgence. Comment le ministre de l'Intérieur doit laisser des gens comme ça? C'est pourquoi je me dis, mais est-ce que ces gens-là comprennent vraiment la valeur du chef de l'État ou ils ne comprennent pas? La police hier était prête à barrer la route aux députés pour accéder à l'Assemblée nationale. Mais aujourd'hui, la même police là n'arrive pas à empêcher les militaires de l'UDPS. Et quelque chose qui ne te faisait pas. C'est inconcevable, monsieur le journaliste. Est-ce que je me pose la question? L'état de droit, c'est aussi de faire arrêter les auteurs intellectuels, des commanditeurs.
L'état des droits, ce n'est pas un slogan aujourd'hui. La Constitution de la République, en son article premier déjà, consacre ce qu'on appelle l'état des droits. L'état des droits n'est pas né avec l'avènement des délits de peste au pouvoir. Non, il faut qu'on se le dise. L'état des droits est consacré à l'article premier de notre Constitution, où je peux vous le lire rapidement. Mm-hmm. Il est dit, la République, la RDC, est dans ses frontières du 30 juin, un état des droits. Mm. Ce n'est pas un slogan créé par l'UDP, ce qui est maintenant au pouvoir. Je le répète. Mais l'état des droits qui n'a jamais été appliqué en RDC. Mais est-ce que tous les gouvernements passés n'ont jamais fait arrêter le DG ou le ministre? Faut pas que lorsqu'on arrête quelqu'un, on doit brandir ça à travers le média, comme on voit actuellement. Aujourd'hui, Mouyima est où? Si nous sommes dans un état des droits, Mouyima est où? On sait, mais on est incapable. Pourquoi le parquet a encore émis un mandat de recherche pour celui qui était censé condamner de 20 ans de prison? Et ce qui est aussi plus grave, le jour même de l'audience, Mouyima ne s'est pas présenté. Aujourd'hui, on nous dit on doit l'opérer. Mais ils attendaient qu'il soit condamné de 20 ans, qu'il soit après opéré. Mais je me dis, nous sommes où? Est-ce que c'est une justice séduisante ou une justice révolutionnaire? Voilà. L'état des droits, messieurs les journalistes, c'est aussi arrêter les commanditaires de tous les troubles. Il y a les jeunes d'Idlo. Et je le répète que l'état n'est pas en danger. Merci. L'état est en danger lorsque les magistrats, les parquets collaborent avec X ou Y pour spolier une propriété d'un paisible citoyen. Voilà. L'état est en danger lorsque les magistrats arrêtent une personne pour une dette n'a rien et abîme ça en abus de confiance. Voilà, c'est ça l'état en danger. Voilà, merci beaucoup. Pour finir, notre droit n'est pas différent du droit français aux États-Unis. Aux États-Unis, le procureur général est d'office ministre de la justice. Voilà, merci beaucoup. À la fin de notre émission d'aujourd'hui, mais il y a le jeune Didio que vous avez suivi avec moi qui s'est dit prêt à tout donner si jamais l'intégrité physique de leur leader sera touchée. Non, monsieur journaliste, c'est un collectif. Il ne s'agit pas d'un jeune, de jeunes Didio Fa, de jeunes du grand Bandundu et les jeunes de la province du Kwilu. Il s'agit de tous ces jeunes-là, nous tous. Moi, je ne suis pas Didio Fa. Mais pourquoi je m'ingère? Parce que Obeminaku, Gary Sakata, ce sont nos deux grands professeurs de droit, fils du Gwabandundu et de la province du Kwilu. Nos élus, nous les avons élus, monsieur le journaliste. C'est notre affaire. Ce n'est pas une affaire des gens du Diofa. C'est une affaire de tous les territoires de la province du Kwilu, tous les jeunes du territoire du Kwilu, de la province du Kwilu, et également de tous les jeunes du Gwabandundu. Nous condamnons. Nous condamnons ces actes perpétrés sur la vie physique, professionnelle, politique, morale de notre leader de grand notable de grand Bandundu, Obemina Kudjando. Nous tous jeunes, nous sommes derrière lui. Nous sommes derrière sa vision. Nous sommes derrière son accompagnement auprès de l'autorité morale du FCC, qui est le camarade Joseph Kabila Kabangé. Nous sommes proches de sa vision d'accompagnement. Merci de notre leader du Front commun pour le Congo, le camarade Joseph Kabila Kabangé, le professeur Obeminaku. Voilà, je termine en disant que tous les jeunes du Grand Bandundu, de la province du Kwilu, mobilisons-nous pour condamner les actes perpétrés à l'égard de notre notable. Et disons à nos frères et sœurs de lui des pèses qu'ils doivent cesser de se comporter en opposition, ils doivent cesser de parler de la majorité populaire. Voilà, ils doivent cesser de s'insurger contre les autorités de ces pays. Merci beaucoup, certes, vous avez suivi aussi ce qu'a été la déclaration de jeunes de l'espace Grand Bandundu, comme l'a dit Cyril Ekwe. Certainement, vous faites partie de cette jeunesse. Merci beaucoup, M. David, le journaliste. D'abord, c'est regrettable. On ne peut pas voir dans une famille son grand frère être attaqué ou tabassé et toi, les cadets de la famille, tu croises les bras. Non, il faut se lever et dire à ces messieurs-là qui attaquent ton frère que tu n'as pas droit. L'honorable Obeminaku et l'honorable Sakata sont dans la légalité. Je m'insurge contre toute attaque
vis-à-vis de nos deux notables. La kanisi bolandi biso ututo bandaki tito komina suka. Sola kina bandeko oyo toza kina bango ma matali propre position de loi oyo mwana mboka obe mina kuna garisa kata ba kotisaki kuna na bureau ya assemblée pour te bako kusala réforme ya système ya mibeko ya mboka na biso kasi esengozaki na biso ya koyebete bozaki etuluku pona koyamba biso merci na ba invité obandi mai ko répondre na mituna na biso merci na patient bon ala kisima caméra Dan Kamanda zaki na bande montage Patrick Idimi azaki na assistance Ngai wabino tukukutana bino se mikoze ko ya na émission na biso masolo ya province ya Kwilu voilà. Yani kusaka kusala ba trace ame sala yo bubu ya. Ke sala yo diaka. Ba meke dila ko voter. Bon voter nge sala ki salu na ngege sala sa moté population ko mona ke nge mesa di sabo. Je sais que la patronne en fait les enlèvements.